c'est groupe organisé qui a organisé un débat entre membres pour capable élaborer des cahiers de revendications, des propositions et d'engagement. Donc, une fois que nous finissons collecter toutes, alors ça c'est au niveau secteur, maintenant au niveau territoire, c'est-à-dire qu'il y a un débat qui a fait dans toute section communale, dans toute commune, c'est ça qui fait dans la forme départementale, les gens viennent, nous faisons en sorte que tout le monde vienne par toute section communale, toute commune représentée. Ensuite, nous faisons regrouper par commune, il y a un premier travail pour canter la parole qu'on fait dans ces ateliers qui ont gagné sur place. Et ils ont désigné un délégué, donc qui fait que nous venons des délégués intercommunaux qui peuvent coordonner le débat au niveau commune. Et ils ont même tout bon conseil, une sorte de coordination départementale qui fait qu'on accorde pour nous faire au niveau département, ils peuvent faire au niveau communal, peut-être que nous allons regrouper les communes par arrondissement. Et pour être capable de choisir des délégués au niveau section communale. Donc, débat au niveau section communale, là, il va coordonner par un délégué qui est même choisi, qui a bien pour coordonner débat au niveau la cour, au niveau quartier, au niveau habitation. Donc, de sorte que tous les niveaux, tous les échelons, toutes les sphères dans la société, ils ont participé dans le débat. Et que, une fois que nous finissons tout débat fin fait, tout et abouti à des cahiers de charges là, mais en fait c'est un cahier de revendication, de propositions et d'engagement. Et nous-mêmes nous allons faire synthèse, c'est-à-dire nous allons prendre moi quasiment une bonne partie en octobre pour nous capable de faire synthèse. Et nous avons commencé atelier. Donc atelier nous allons faire dans tout département. C'est des ateliers côté que nous allons ouais éléments d'entente et d'accord qui viennent. Et pour chaque grand secteur, au niveau politique, mais qui grand, même qui problème qui identifié, et puis on a fait synthèse là, et puis on a mis le lundi comme ça. Donc, on a atelier où on peut valider, peut-être discuter, approfondir des discussions, mais surtout valider chaque élément d'accord d'entente ça. Et non, d'entente. On a pris fin novembre. En tout cas, on partit début décembre jusqu'au 15-16 décembre pour nous faire une grande synthèse là et tirer deux documents pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Et le 22 décembre, nous supposons, le secrétariat technique supposé transmettre le document par le comité de pilotage là, qui lui-même a venu pour faire passer j'ai la dame, garder passer main. Et si besoin était. Et puis le 1er janvier 2019, la promette est chef d'État. Alors, dans le processus, ça, c'est-à-dire que pour nous prendre l'esprit, c'est que on constate que la société n'a pas fonctionné, qu'on n'a pas qu'à des zones de friction là-dedans, qu'on n'a pas qu'à des zones de rupture dans la société, au niveau politique, au niveau économique, au niveau social et culturel. Et que chef d'État a décidé de remettre la société à problème. Il a même défini, il a réfléchi sur eux. Et il a même garant, il a même là comme garant. Ce n'est pas lui qui a fait le pacte là, c'est le citoyen qui a fait entre lui-même. Et lui-même, une fois que le citoyen a fait d'accord sur un certain nombre d'aspects de fonctionnement de la société, on a le remettre par le chef d'État, qui en tant que chef de l'État, qui garant des institutions, garant des accords et conclus, et il peut être chargé pour faire que même citoyens et rester cohérent avec eux, respecter sa fin, entendre sur eux. Donc après, c'est ça que le chef de l'État a gagné comme mission. Il n'a pas fait pacte, il n'a pas dicté pacte là. Et là, tout simplement, écouter le garant de ça que nous même pour décider comment on va fonctionner au niveau économique, au niveau politique, au niveau social et culturel.
informer l'opinion publique que le CMP a été vandalisé, pillé et son local partiellement incendié lors des événements malheureux des 6, 7 et 8 juillet. Les agressions ont commencé dans l'après-midi du vendredi 6 juillet vers 4h30 p.m. alors que des étudiants, des professeurs, le staff administratif et moi-même, nous nous préparions à commencer nos activités pour la vacation du soir. Des manifestants ont assiégé notre local en mettant le feu à la barrière principale et en essayant de la défoncer. Face à la résistance de cette dernière, ils se sont mis à tirer en l'air et à lancer des jets de pierre et des pneus enflammés contre le local. Sentant nos vies fortement menacées et après avoir essayé en vain d'appeler la police, nous avons lancé un appel de détresse à travers les réseaux sociaux et de nous frayer un passage afin de laisser le local. Il était 11h du soir. Nous remercions le Tout-Puissant. Les manifestants assaillants sont revenus à la charge et cette fois-ci ont envahi et saccagé le local, pillé tout le contenu, matériel et mobilier, équipement informatique, équipement énergétique, matériel didactique, dossiers, etc. Puis ils l'ont partiellement incendié. Nous protestons énergiquement contre cette attaque ciblée et gratuite contre un temple du savoir, de la recherche et de l'éducation qui depuis 33 ans forme des cadres pour ce pays. Nous protestons énergiquement contre l'attitude passive de ceux placés pour protéger nos vies et nos biens et qui ne l'ont pas fait. Nous lançons un appel aux autorités de notre pays, aux mécènes, organisations internationales, associations de droits humains, pour qu'ils nous aident à reprendre nos activités le plus vite afin de rester au service de la jeunesse, des entreprises et de notre pays. À nos 600 étudiants, nous disons merci pour leur support. Nous leur promettons que nous allons déployer tous nos efforts pour leur permettre de terminer leur année académique et poursuivre leurs études au CMP. Aux professeurs, staff administratif du CMP, à nos amis, à nos parents, à ma famille, qui n'ont cessé de prier pour nous, de nous manifester leur sympathie et de nous épauler, nous disons aussi un grand merci. Pour finir, nous présentons nos sincères sympathies à toutes les victimes de cette tragédie qui, comme le CMP, ont perdu leurs biens après de nombreuses années de dur labeur et de sacrifices. Puisse Dieu nous protéger tous et nous donner la force de recommencer. Nous-mêmes militants unités, yo. Nous croyons que le Parlement coupe ça, pas de place là. Députés, sénateurs, raquettés, complotés, magouillés, qui viennent seulement pour faire cob, pour ramasser l'argent et puis pour eux-mêmes régler les affaires personnelles. Bataille peuple là, nous avons mis de côté. Ils ont raté la mission principale. Le Parlement ça, qui s'est chargé avec les mécènes, qui veut nous consciencier avec Jovenel pour tout petit peuple là. Nous même militants unité yo. Nous croyons que c'est important pour porte institution ça fermer pour nous repenser. Je dis à la député et sénateur ça yo symboliser cancer, misère. Nous mandé peuple là pacifiquement pour nous mobiliser pour aller chercher clé parlement qui c'est bien privé peuple là qui c'est l'argent l'état, l'argent taxe citoyen. Pour nous mettre bout dans soi-disant mandat nous te baillo pour légiférer et contrôler. Pourtant, c'est comploté, il y a comploté contre revendication masse pauvre. Opération fermée parlement lancée, militants unité fait passer mode là tout côté à partir de jeudi à là même pour connaître que ici sur sacré parlement porte li doit fermer pour que au moins population prenne des Force populaire démocratique là voyez sympathie nous by tout citoyen à commerçant qui était victime pendant 3 jours ténèbres de choukaï ça qui t'a ravagé pays. Unité force populaire démocratique là te dit la prédit encore yon nèg qui besoin pouvoir la tente 2021 li pral nan élection mais a fait nèg penser c'est dans simé la troublaï fais zak malhonnête piller bagay moun qui pral faire président Jovenel Moïse démissionnaire pa gen bagay kon sa pièce et nous penser c'est bien compté mal calculé. Front national pour le progrès d'Haïti condamné tout zak sale yon ti groupe déchouqué mal pourront téléguider saute fait en dans pays a jour vendredi 6
pour arriver dimanche 8 juillet 2018 là. Prêt sous augmentation prix gaz là. Pourtant ces bagages volaient, déchouquaient, crasé, brisé, boulé, pillé, tiré moun qui t'a réglé. Front national pour le progrès d'Haïti a félicité tout le monde qui te prend la ria pacifiquement, qui t'a demandé président Jovenel Moïse faire retrait sous augmentation prix gaz là, qui pas rentrer dans la logique si groupe déchouqué ou libé mal bravo pour président Jovenel Moïse pour sens de responsabilité ligue et pour respect ligue pour peuple haïtien. Parce que peuple a demandé pour faire retrait. Président Jovenel obéit, demande peuple. Et président Jovenel Moïse parlait avec peuple, dit rentrer la Kaili. Peuple a obéi à président Jovenel Moïse. À la belle bagaille. Front national pour le progrès d'Haïti considérer Zach sale, déchouqué mal pour on, ou libé, télégui de sa ou fait. Dans la capitale, jour vendredi 6 pour arriver dimanche 8 juillet, qui la cause plusieurs personnes perdent la vie, en pile personnes perdent bien, comme un complot de GPNH là, mêlé avec irresponsable PM. Pour toute raison, ça y est, Front National pour le progrès d'Haïti a demandé démission Dr. Jacques Guy Lafontaine. Ensemble avec DGPNH là, pressé, pressé et sans condition. Front National pour le progrès d'Haïti, mandé démission PM nan avec DGPNH là pour deux raisons. Un, Premier ministre pas qu'à diriger le pays, parce que Premier ministre là pas prévoir. Font mandé pour Premier ministre là démissionner. Pour président Jovenel Moïse choisit un autre premier ministre, pressé pressé, voyez dans le Parlement, pour gagner un nouveau gouvernement d'ouverture dans le pays pour améliorer la misère du peuple haïtien. Deux, DGPNH là échoué dans la mission li qui s'est protégée et servie. Font demandé démission de DGPNH là sans condition. Pour non-assistance aux personnes en danger, selon la loi. Il n'est pas possible pour gagner une force police dans un pays pour s'accraser, briser, piller, à fait, pour ne pas gagner une réaction force de l'ordre qui fait pour protéger vie monde et bien peuple. Pour finir, Front National pour le progrès d'Haïti, a alerté peuple haïtien à tout allié lio partisans et sympathisants lio depuis jodi a mobilisation a commencé dans 10 départements pays pour veiller cyclone politique phosphène noyo qui gen plan pour écraser bouler pays a juste pour yo régler les affaires personnelles yo moun ki siyen. Coordination militant PHTK dans Kwade Bouquet. Condamné à toute force, condamné à toute namyo, toute zak violence qui fait dans le pays, surtout dans la capitale Port-au-Prince. Côté en pile bien et business, peuple haïtien boulé, à cause de prix gaz qui est monté. Coordination PHTK dans Kwade Bouquet. Profitez même occasion ça pour féliciter président Jovenel Moïse parce que l'IT fait gouvernement descendre prix gaz sans perdre du temps l'été tendé réel peuple là. Coordination PHTK dans Kwade Bouquet. Mandé tout militant tête calée pour y mobiliser dans tout coin pays là. Pour couper toute folie d'air qui gagne folie prend pouvoir
dans si men la troublée à chaos dans instabilité en dans pays a. Galaxy plaque pack a dit c'est peuple qui bail pouvoir. C'est nous-mêmes qui t'ai voté président Jovenel Moïse pour le passer 5 années sous pouvoir tête calée. Tête calée. Attention aux autres. Si vous besoin prendre pouvoir, préparez l'élection. Allez dans l'élection 2020, 2019 et 2021. Vive Haïti, vive démocratie, vive peuple haïtien, vive PHTK. Position, organisation qui me représente. Nous-mêmes, Nabdil, nous faisons plusieurs coups d'État dans le pays déjà. Et en rien, pas jamais marché. Chaque monde nous prend nouveau et pour bagage ça arrive dans le pays, c'est l'autre génération qui vient derrière qui toujours paye. Moi-même, moi crois que son entente qui pour joindre entre gouvernement et monde qui dit on est opposition. Parce que opposition là pour établir équilibre. Une opposition dans le pays, c'est les gros problèmes li là pour qu'il mette bâton au gouvernement pour faire qu'il résout problème yo. Nous n'avons pas opposition, nous avons un pile bien qui perdu. Un pile bagaille crasé. Mais tout ne veut pas que nous avons mis dans la rue pour faire victime de propres et causes encore. Nous avons souhaité que nous avons l'autre bagaille qui dit qu'il y a l'autre direction qui nous baille pays. Parce que quelle est la bourgeoisie, quelle est l'opposition, quel est le pouvoir, dénominateur commun, c'est Haïti. Personne ne peut pas pour payer à disparaître. Et s'il disparaît, c'est nous tous cap victimes, c'est nous tous cap perdus. Nous supposons prendre conscience pour que Haïti soit sorti côté lié. Commission épiscopale justice à la paix, archidiocèse Port-au-Prince, saluer Madame Jocelyne Collat, directrice nationale commission épiscopale là. Toute autorité, l'État, tout représentant, organisation droit monde, tout membre la presse parlée, écrit, télévisé, à tout citoyen bonne volonté qui répond matin à invitation dans l'occasion 16e journée porte ouverte contre violence cap fait avec dignité monde. Peut-être sans commission a servi à deux cahiers observation violence qui relaient Jéwe Bouche Palé. Numéro 66 et 67 qui sont encore imprimés. Violence que l'on observe dans la zone métropolitaine et dans les environs. Pendant la fouille, j'ai gardé toute qualité de violence dans toute zone métropolitaine, et spécialement Grand Ravine, Tibois, Portail Léogane, 1er, 2e et 5e avenue, Village de Dieu, Fort Mercredi, sans ne pas oublier. Violence, dernier soulèvement populaire dans la commune d'Elma, Pétionville et Caplaine. Dans deux rapports trimestriels, la commission a montré comment la violence a augmenté plus dans la zone Sayo pendant l'observer quantité de victimes, identité de victimes, source et circonstances de violence Sayo, quartier violence Sayo passé. Quelle grosse violence yo qui nous observe yo, yo paraît sous diverses formes. Violence là, li paraît sous diverses formes. Nous voyons violence là, li nous parlons sous violence dans chapant de société. Et violence dans chapant de société, ça qui attire attention. Mon a grandi là-dedans, donc là nous considérons si moun kap fait chaque jour, et bien il y a fait dans une ambiance la misère, et ça li marre avec jeune société a li même li chapoté, jeune li organisé qui fait gagner une gros disparité, une gros inégalité et entre moun te mauvaise gouvernance. Qui si tout gen rapport avec dirigeants dans différents niveaux, gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance sociale, donc c'est une forme de violence nous vivons chaque jour. Nous vivons tout violence, au soit colère
bride soukou moun ki nan société a ki montre yo pa d'accord ak yon série décision et ki a pran yo montre désaccord yo avec et qualité façon dirigeant yo a mené bak peyi a gen tout violence manipulation les yo servi avec revendication population yo servi ak désaccord yo jan yo doit traiter mais yo plutôt servi avec désaccord qui gagne en dans population pour manipuler moun plutôt au lieu yo régler ba yo jan yo doit faire et c'est ça nous relève violence manipulation gagne tout conséquence violence là violence toujours mener violence et qui ça nous dit avec ça violence mener violence. Violence fait moun perdre travail yo, violence fait augmenter problème nan famille yo, nan foyer yo, violence fait pays a fait bac, violence fait ressources yo tout yo diminuer, violence mène violence. Durant le moment ça vendredi, samedi, dimanche, commission observé plus de 20 personnes décédées à travers situation ça, plus de 20 personnes. Et nous gagnons provisoirement pour le mois de juillet 41 personnes victimes de violence, dont 39 par balle pour seulement mois de juillet. Hein. Maintenant, on est 13 aujourd'hui, n'est-ce pas? On est 13 aujourd'hui. Donc, pendant 3 jours, ça a eu plus d'une vingtaine de monde qui mourit à d'un pays. Et nous avons d'autres cas encore, côté que dans deux magasins, il y a des gens qui mourent dans les magasins, qui mourent carbonisés, que la police, par contre, c'est la bon chiffre sur ça, mais il y a un paquet de côté que les gens mourent dans deux magasins, ils ont boulé, ils ont pris un balle, tout qui m'ont tué, tout qui m'ont tué. Mais il y a un cas à eux, beaucoup de pétorie. Je souhaite que la presse t'a bien enquête partout pour le connaître. Combien de gens qui étaient dans le magasin? Est-ce que les gens qui étaient pillés ou qui mourent dans le boulet? Et autres, mais il y a d'autres qui sont dans le cas autour, et cas à eux qui mourent. Que nous pouvons gagner. Mais nous, si nous faisons un résumé global de l'année 2018, la commission l'a observé pendant 2018, là, en principe, 373 moun victimes de violence. Là-dedans, nous gagnons 289 tués par balle pour sortir janvier pour arriver juillet 2018. Ça, c'est bien chiffré, commission a gagné sous actes de violence en dans le pays. Tout en reconnaissant que le côté sud de la capitale est vraiment préoccupant. Les nous prenons zone Portail-Léogane, Village des Dieux, Grand-Avine, Tibois, Savane, Pistache. Donc la commune de Port-au-Prince, nous recensons plus qu'à dans la commune de Port-au-Prince, particulièrement du côté sud de la capitale. Donc c'est ça actuellement chiffré. Donc provisoirement, nous gagnons là parce que nous avons l'autre décompte n'a fait. Donc au moment opportun, nous avons toujours informé la presse sous évolution situation. Est-ce qu'à chaque fois, il y a guerre en ghetto, ça par exemple la ville, est-ce que la commission en mesure pour les dire combien de monde qui mourent? Parce que la presse, pas de monde qui j'en arrive, les combien de monde qui mourent, alors que vous avez déposé en question Charlie en dedans, ouais. J'aime bien aucune enquête qui mène sur ça. Donc nous face, alors c'est pour montrer tout problème l'État, nous face avec une autorité qui est irresponsable. Donc maintenant, est-ce que qui rôle service renseignement dans le pays?